Star Academy, Sienna fait une totalement inattendue sur sa participation. Sienna a définitivement quitté le château de Damary-les-Lys, ce samedi 19 novembre. La candidate a été éliminée aux portes de la grande finale de la Star Academy. Avec son acolyte Chris, elle n'a pas réussi à être sauvée par le public face à Louis, Anisha, Enola et Léa. C'est donc la fin de plusieurs semaines d'aventure pour la Benjamin de l'émission de TF1 qui a fait un dernier prime time très réussi. Désormais loin des caméras et de la compétition, la jeune femme âgée de 18 ans est rentrée chez elle. Dans un message vidéo posté sur son compte Instagram, elle a donné de ses nouvelles aux internautes. « Je vais super bien. Je suis enfin rentrée chez moi, ça fait du bien vraiment de retrouver sa famille. » De pouvoir les embrasser. C'était un manque, a-t-elle confié, en révélant qu'elle a aussi enfin pu faire un tour dans un célèbre fast-food pour enfin manger un hamburger. Ce qui lui manquait le plus. Après son élimination lors de la demi-finale de la Star Academy, Sienna est aussi revenue sur son incroyable parcours dans les colonnes du Parisien. Je suis rentrée à la Star Academy sans avoir jamais pris de cours de chant ni être montée sur scène. Tout était une première fois pour moi. Et, aujourd'hui, je peux arriver sur un plateau sans avoir de stress. Même vocalement, ma progression est incroyable, a-t-elle confié. Très heureuse d'avoir pu suivre les cours de la plus célèbre école de danse et de chant. Sienna aurait bien pu laisser passer sa chance. Elle a elle-même avoué, il y a encore 2 mois. Elle ne connaissait même pas l'émission alors que le télécrochet est arrivé à l'antenne en 2001. Sienna, elle, a vu le jour en 2004. Beaucoup trop jeune pour suivre le programme et pas du tout consciente de son impact auprès des téléspectateurs. Elle a pu compter sur ses proches pour lui souffler à l'oreille l'idée de sa participation. Mes parents m'en ont vaguement parlé, mais je n'avais jamais vu une seule image. A-t-elle révélé? Et ce sont eux qui m'ont poussé à m'inscrire. C'était l'occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses. De me frotter à des professionnels et de chanter avec des stars. Mes duos avec Angie Girac au château et avec Dadju sur le plateau font partie de mes meilleurs souvenirs. Sienna ne regrette pas d'avoir écouté papa et maman.